voilà mes Barbaros, donc petit ETB sauvage qui est apparu aujourd'hui. On s'ouvre ça tout de suite ensemble. A tout de suite. Et voilà les Barbaros, c'est parti pour la petite ouverture de cette ETB. Le petit plastique. Alors, on va faire ça propre, hein. Vous savez qu'on aime les ouvertures propres. Est-ce qu'on va y arriver? Yep. Et découvrons ensemble ce qui se cache dans cette magnifique boîte. Hop. Allez, c'est parti. Oh, les petites illustrations à l'intérieur sont magnifiques. C'est les illustrations des boosters en vrai. Sympa, sympa. On regarde ça. Hop là. Le petit livret. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le contenu de la boîte du coup? Les cartes qu'il est possible de trouver dedans. Avec, du coup, ouais, les capacités des différents Pokémon. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Petite liste de cartes. Et en quelle qualité, enfin en quelle rareté, pardon, on va pouvoir les avoir. Est-ce qu'il nous permet à chaque fois de cocher, du coup, celles qu'on a? Cool, cool, cool. Aïe. Très, très beau guide de jeu. Et ensuite, oh, cette boîte, elle est magnifique. Allez, on ouvre. Le Darkrai est texturé. Oh, elle est vraiment belle, quoi. Vraiment magnifique. Ensuite, allez, on dégage tout ça. On a donc dedans un petit règle du jeu. Ça, on trouve dans tous les coffrets. Ensuite, des sleeves magnifiques à l'effigie donc de Darkrai. Très, très, très belle sleeve. Ensuite, on a, allez, un petit code. Un pack de cartes énergie. Du coup, on va avoir de quoi faire en énergie. Super, super, super. Ensuite, des séparateurs. Ils sont magnifiques aussi. Oh, magnifique, magnifique. Alors, pourquoi on laisse séparateur? Eh bien, tout simplement parce que cette boîte peut servir à ranger les cartes. Tout simplement. Et du coup, on a les petits séparateurs avec. C'est juste vraiment très, très bien pensé. Les petits dés marqueurs de dégâts avec un dé traditionnel qui sert de faire des pile ou face. Super, super. Les jetons de statut. Un petit jeton Vestar. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boosters Astre Radieux. C'est magnifique. Je vais juste les mettre ici sur le côté et on s'ouvre ça ensemble. Je vais les laisser dans l'ordre qu'ils étaient dans l'ETB et on va voir ce qu'on a. Hop. Est-ce qu'on veut les ouvertures propres? Bon, ici, honnêtement, OSEF, quoi. Alors, le petit code. Oh, je pense que... Voilà. Faites-vous plaisir. Ensuite, 1, 2, 3, 4 et c'est parti. On a une petite énergie métal Cormier, Quillpic de Hisui, Loterie d'énergie, Furéglon, Quillfish de Hisui, Brindibou, Quillfish de Hisui, Moustillon ou Régirock. Régirock, super super en reverse. D'ailleurs, il me la fallait en x2 celle-là. Génial, génial. Et Chemine en normal rare. On va mettre les reverse ici sur le côté. Voilà, voilà. C'est vrai que je vous ai même pas dit Mehit. Moi, Mehit, j'ai déjà besoin de tous les régis. Sauf le Regice, parce que lui, je l'ai déjà en 3 fois. Mais du coup, j'ai besoin de tous les régis. Et Palkia V ainsi que Palkia V-Star. Je pense que si on a ça, c'est déjà pas mal. Du coup, on a déjà un Regirock. C'est super. Blanc, décidément. Hop là, 1, 2, 3, 4,
petite énergie psy. Ursa Ring, Togetic, Marée Bouche Blée, Serfrous. J'ai un troupeau de Serfrous, je sais plus quoi en faire. Je vais pouvoir faire une tapisserie à la maison avec. Grélasson, Hippopotasse, Hérissandre, un sécateur. Oh, la petite TG qui fait plaisir. Et Faiza en TG. Super, super. Voilà. On pensait qu'on allait avoir de la daube dans ce paquet. Eh bien non, petite Faiza TG. Génial. Et ensuite, un Galopa en normal rare. Et hop là, petite TG ici qui fait plaisir. D'ailleurs, je ne sais même plus ce qu'elle fait, Faiza. Défausser les 5 cartes du dessus de votre deck et attacher les cartes énergie défaussées de cette façon à vos Pokémon combat de banc comme il vous plaît. Oh, c'est pas mal ça. Petite Faiza TG. Super, super. Bah, d'ailleurs, en fait, ouais. Faiza TG, c'est une TG, donc elle mérite sa petite sleeve. Sa petite sleeve personnelle. Hop, voilà. Super, super. Ensuite, c'est un peu le bazar ici. Voilà. Troisième booster. Encore un Serfrous. Ben tiens. Petit code noir. Faites-vous plaisir. Ah, dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. 1, 2, 3, 4. Alors, on a une petite énergie feu. Et flèche. Ah ouais. Fossile inconnu. Noirfang. Serfrous. Grelasson. Un sécateur. Kalinos de Isui. Archéomir. Magnéton en reverse. Et. Petite Vestar. Le Palkia Vestar, c'est trop bien! On en avait besoin d'une. Génial, génial. J'en ai besoin que d'une. C'est super. C'est super. Ouh là là, excusez-moi, j'ai tapé dans la caméra. Oh, le petit Palkia Vestar. Magnifique. Génial. Il a mérité sa petite sleeve aussi, lui. Voilà, c'était un des hits qu'on voulait. Super, super. Du coup, j'ai la V en alternatif. Et j'ai la Vestar. Génial. Pour l'instant, cette ETB est vraiment très très bien. Voilà, une TG, une Vestar. Voilà, nickel. On continue. On espère encore avoir des dingueries dans les boosters qu'il nous reste. On est ici ben, presque à la moitié. Hein. On est au quatrième booster. Le petit code, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4. Alors, énergie combat, Turbo Patience, Kirlia, Roxane, Pijaco, Ponita, Krixik, Psychoquack, Chlorobule, ensuite Farfurex en reverse, et le Clamiral V, mais c'est magnifique! Cette ouverture est dingue! Ouh là là, Clamiral V, il est magnifique, je l'adore. Clamiral de Isui, bien évidemment, génial quoi. Défaussé jusqu'à 12, oh, c'est super quoi. C'est super. Hop, la petite fit sleeve qui va bien. Hop, et voilà. Cette ouverture est dingue et on n'est qu'à la moitié. Et on a déjà eu une TG, une V, une V-Star. Qu'est-ce qui va bien pouvoir nous arriver dans... Ah oui, excusez-moi. Qu'est-ce qui va bien pouvoir nous arriver de plus dans cette ETB? J'ai l'impression qu'on a tout eu sur les premiers boosters. Hop. Alors. Le petit code. 1, 2, 3, 4. Alors, la carte Vestar, que tout le monde s'en fout. Ensuite, un Cochignon. Attends, on va pas mettre là. Cochignon, Lino, Grodrive, Pijaco, Ponita, Krixik, Psychoquack. Ou.
On s'est un peu spoilé, j'ai pas vu ce que c'était, mais à mon avis, c'est du beau, quoi. Chlorobulle, ensuite une TG de retour, ou Graena en TG, génial, 2 TG, c'est super. Double hit, double hit. Ah non, malheureusement non, ça sera Keldeo en rare holo. Hop, Keldeo va aller là. Voilà. Désolé, une fois de plus, j'ai cogné dans la caméra. On va remettre ça. Hop, voilà, petite installation à la MacGyver. Donc, on va mettre cette petite TG en place dans sa petite sleeve. Cette ouverture est dingue. C'est une dinguerie. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, c'est juste dingue. Ouverture de gueudin. De gueudin. Allez, on ouvre notre sixième booster. J'allais dire cinquième, mais non, sixième booster. Le code blanc, là, du coup, ça va être un peu moins dingue. Petit code. 1, 2, 3, 4. Alors, énergie électrique, Chaffreux, Selena, Dinoclier, un sécateur, Bargantua de Hisui, Voltorb de Hisui, Shaglam. Oh là là, oh là là, oh là là, on se spoile, c'est pas bien ça. Marc à crin, le Absol en reverse et Givrali en rare normal. Ouais. Du coup, c'est vrai qu'on se demande qu'est-ce qu'on peut encore bien avoir dans cette ETB en fait. Il nous reste plus que deux boosters. On a déjà eu deux TG, une V et une V max quoi. C'est insane. Qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir de plus? Et on va se calmer un petit peu parce que voilà, code blanc donc ça sera pas bien ouf dans ce booster là. 1, 2, 3, 4. Énergie plante, Archéo donc, lunettes super efficaces, électrode de Hisui, un sécateur, Bargantua de Hisui, Voltorb de Hisui, Shaglam, c'est le même booster que j'ai ouvert avant ça, Marc à crin, Chlorobulle en reverse, et le Regidrago en rare, super. Bon, c'est qu'une rare normale, mais j'avais besoin justement de Regidrago. C'est bien. C'est bien, ça ira dans mon deck Regi. Les amis, c'est l'heure du dernier booster. Je prie Sacha Dubourg-Palette pour qu'il y ait une dinguerie dans ce booster. Donnez-moi toute votre énergie. Les amis, bénissez ce booster. C'est parti. Déjà, contour blanc, c'est mal barré. À chaque fois, je vous mets le code à l'envers. Hop, voilà. 1, 2, 3, 4. On a oublié de débarrasser ça. Excusez-moi. Voilà. Alors, énergie obscure. Créelf. Chariot échange. Créfadé. Scalpion. Evoli, Scarino, Tedursa, Dementa, Serbilin en reverse, allure pressée. Une fois pendant votre tour, vous pouvez piocher une carte. Ah, c'est pas mal ça! C'est pas mal du tout ça! Et en plus, on doit pas défausser. Ça, c'est pas mal du tout, tiens. Graena en normal rare. Ouais. Ce dernier booster était pas ouf, mais on a eu deux belles dingueries dans cette ETB. On est reparti quand même avec, je le rappelle, deux TG, une V et une V-Star. Ainsi que deux Regis qu'on avait besoin pour notre deck Regis, quoi. Donc, au final, c'était worth. C'était une très très bonne ouverture pour ma part. Je trouve que c'était vraiment une bonne ouverture. On se retrouve tout de suite pour notre petit récap des cartes sympas qui sont arrivées dans cette ETB.
J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce vers le haut et on se retrouve la semaine prochaine à 10h pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!